Wesh les potos, comment vous allez? Moi je vais pas bien. Je me demande s'il n'y a pas un complot. Parions sport, frère. Ce jeu, Parions sport. Mais pour moi, ce jeu a toujours été une énigme. Il y a quelqu'un qui est derrière moi, frère. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois que je joue un match, je mise sur une équipe. C'est l'inverse qui rentre. Par rapport aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, excusez-moi, Tottenham Burnley. Burnley Tottenham. Oh, Tottenham, meilleure équipe à l'extérieur, ils jouent le titre, ils restent sur 6 victoires consécutives, ils perdent à Burnley 14e. Mais moi, quand je joue, c'est toujours comme ça. Battez Borisov Arsenal à l'aller. Tu joues Arsenal, c'est Borisov qui gagne. Là, tu joues Tottenham, c'est Burnley qui gagne. Tu joues le Betis Séville qui perd contre le Barça, c'est le Betis Séville qui gagne. Tu joues Real contre Gérone, c'est Gérone qui gagne. C'est tout le temps comme ça, frère. Mais il y a un mec, il y a une caméra, il me suit. C'est pas possible. Oh, ça fait 10 ans que ça dure. Je fais des tickets, genre comme ça, tu vois. Je fais des tickets comme ça. Oh, je fais 4 matchs. J'en ai 0 sur 4. C'est l'inverse. Il n'y a même pas de match nul, hein. Il n'y a même pas de match nul. Alors, je te dis, voilà. Villarreal. Non, c'était quoi? Je sais plus. Ouais, tu mets Fribourg qui bat Augsbourg. C'est Augsbourg qui gagne. Tu mets. Wolfsburg qui va gagner à Mönchengladbach, c'est Mönchengladbach qui gagne. Tu mets Chelsea-Manchester en coupe. Tu mets Chelsea, c'est Manchester qui gagne. C'est tout le temps comme ça. Ça fait 10 ans. Oh, j'en ai même pas un. J'en ai jamais un, frère. Mais c'est pas possible. Oh, Jack, t'as une vie de merde. T'as pas de meuf. T'as pas d'amis. T'as rien, frère. T'as rien à quoi te raccrocher. Je suis en train de perdre mes yeux. Ce jeu, t'essaies de te refaire. À chaque fois que tu joues un match, c'est le contraire. Vous allez me dire, mais Sacha, fais le contraire. Mais quand tu fais le contraire, c'est ton vrai pronostic qui rentre. C'est insupportable, frère. Oh, mais franchement, rien que pour gagner allez, 40 euros, j'ai pas le droit, frère. J'ai pas le droit. Il y en a des clochards, des mecs qui comprennent rien. Ou même des meufs, elles savent même pas comment ça se joue le football. Tu vas leur dire, je sais pas moi, tu vas leur dire Burnley Tottenham, elle va te dire Burnley parce qu'elle comprend rien. Ils comprennent rien. Ou tu vas leur demander aux grands-mères, ou tu vas demander aux gens qui connaissent rien au foot, c'est eux qui vont toucher. Mais nous, on regarde des matchs toute la journée. On analyse un peu, on étudie, on regarde les classements, les derniers résultats, la meilleure équipe à l'extérieur, la meilleure équipe à domicile, tout ça. Plus t'étudies, plus c'est le contraire qui rentre. C'est incroyable, c'est incroyable. Et oui, je sais ce que vous allez me dire encore. Fais un ticket avec ce que tu penses et fais un autre ticket avec le contraire. Mais quand je fais ça, au bois, j'en ai un sur trois sur l'autre et deux sur quatre sur l'autre. Oh, tu peux jamais gagner. Les jeux comme ça, Parions Sport, l'auto-foot ou l'auto je sais pas quoi. C'est ceux qui comprennent rien qui gagnent. C'est ceux qui restent dans les cafés du matin au soir, les clochards qui gagnent. Eux, ils trouvent des billets par terre, ils trouvent des montres, des Rolex, des colliers Chanel, des colliers Gucci, ils trouvent tout par terre. Moi, j'ai jamais rien trouvé par terre. À chaque fois que je mets par terre, je trouve des papiers toilettes. Je trouve rien par terre. Rien, rien, rien. À chaque fois que je joue un ticket, que je joue un match, c'est le contraire. Donc là, si cet après-midi, je mets sur le PSG, c'est Nîmes qui va gagner à tous les coups. On dirait que je suis un sorcier, frère. C'est moi qui va dépendre des résultats des autres. C'est-à-dire que maintenant que je vais jouer tous les matchs Tottenham ou tous les matchs Paris ou tous les matchs Manchester City ou Barcelone ou Real, ils vont toujours perdre, non? C'est Alavés qui va être champion d'Espagne, c'est Burnley qui va être champion d'Angleterre, c'est Bochum qui va être champion d'Allemagne et voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Quelle poisse à ce jeu, c'est incroyable. Déjà que t'as la poisse dans la vie, mais là ce soir, tous les jours, pardon. À ce jeu, jamais je gagnerai. Jamais je gagnerai. Donc voilà, les gars, si vous voulez gagner à ce jeu, dites-moi en commentaire quel prono je vois et vous faites l'inverse et vous gagnerez à tous les coups. Voilà, si ce soir vous voulez un match dans la journée, dans la soirée ou demain ou les prochains matchs de Ligue des Champions, vous me demandez mon prono et vous faites le contraire et à tous les coups vous allez gagner. Bon, bref, les potos, je suis trop énervé là. Je vais faire un Rubik's Cube ou je vais m'emmerder, je vais tourner en rond comme un con parce que ce jeu il me dégoûte. Voilà ce que j'en fais de tous les tickets que j'ai fait. Voilà, que de l'argent à la poubelle. Voilà, allez, allez vous faire foutre. Je suis dégoûté. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Je vous laisse les potos, je suis énervé, je vais me pendre. À tout à l'heure pour le débrief PSG Nîmes.